morgen, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Amram Yonah ben Chana Pegi bat Esther Nissim ben Aouda Michel Novikov Zidon Fatrout, bat Kolodin Fainassim Rabat Mosadi Betor Chapol Israël. Si vous souhaitez vous aider à une prochaine étude de Mishnah contactez 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret et Douyot, Perigimel Mishnah Tête. Arbaa Devarim Rabban Gamaliel Metame Vachachamim Metaharim. Kisui Teni Shel Matachot Shel Balebatim. Utlui Amagredot. Vegalme Ekle Matachot. Vetavla Shenechleka Lishnaim. ומודים חכמים לרבן גמליאל בטבלה שנחלקה לשניים, אחד גדול ואחד קטן, הגדול טמא והקטן טהור. On continue dans notre Mishnah à parler, une Mishnah qui est retrouvée dans Masechet Kelim. Masechet Kelim est un traité dans le Seder Taharot qui traite de toutes sortes d'ustensiles et ce qu'ils sont aptes à recevoir la Touma selon plusieurs règles. D'accord ? Dans notre Mishnah, on va découvrir maintenant quatre ustensiles sur lesquels il y avait une discussion entre Rabban Gamliel et Chachamim, comme nous dit le Mishnah. Arba Dvarim Rabban Gamliel Metame, quatre choses, quatre ustensiles. Rabban Gamliel le rend impur, considère que l'ustensile est apte à véhiculer l'impureté. Chachamim Metarim et Chachamim le laisse pur parce qu'il considère que ce n'est pas encore un ustensile. Premier cas de figure, Kisui, Teni, Shel, Matachot, Shel, Baale, Batim. Je traduis d'abord littéralement, après on explique. Le principe, après on va essayer de jouer un petit peu sur les mots pour comprendre de quoi on parle exactement. Kisui, un couvercle. Teni, c'est une sorte de chaudron, de panier, comme c'est dit dans la Torah d'ailleurs, dans Parashat Kitavo sur les Bikurim. Velakach haKohen a tene miyadecha. Là, on mettait les Bikurim dans un les prémices agricoles, on les apportait au Beth Amikdash dans un panier qui était appelé le tene. Teni, c'est la même notion. Donc, on continue. Kisui teni, un couvercle de chaudron, shel matechet, de métal. Donc, est-ce que c'est le couvercle qui est en métal apparemment plutôt, ou c'est le chaudron qui est fait pour contenir du métal? Il y a une petite discussion sur ça. On ne va pas rentrer dans trop de détails. On a compris le principe en tout cas. Shel bale batim, qui appartient au commun des hommes. À la différence du chimiste, du docteur de l'époque, qui était une sorte de pharmacien chimiste qui fabriquait des remèdes, des lotions. On explique concrètement de quoi on parle. On est en train de parler en ce moment qu'il y a un chaudron, bien sûr le chaudron lui-même véhicule la Touma, c'est un ustensile qui contient, il n'y a aucun problème, il reçoit la Touma, aucun problème. Cependant, son couvercle, on va d'abord expliquer le couvercle, justement, du chimiste, avant de revenir et expliquer qu'est-ce qui se passe pour celui, le couvercle du commun des hommes. Le chimiste lui-même, il a un couvercle en métal. D'abord, le couvercle, le simple fait de couvrir. Non, excusez-moi, je reste sur le chimiste d'abord. Le chimiste lui-même, il a un couvercle en métal qu'il utilise une fois qu'il a broyé toutes sortes de végétaux et qu'il va ensuite les mélanger. Alors il les broie sur une table avec son pilon, puis après il les ramasse, il les met dans le couvercle et il les amène dans le chaudron, il les verse et il les fait cuire. Donc regardez, lui, il utilise le couvercle en tant que cli qui boule, en tant que récipient. Il l'utilise pour sa contenance. À la différence, donc, pour le chimiste, lui, le couvercle est un clé qui boule, badaï que le couvercle est considéré comme un ustensile pleinement. Pour le commun des hommes, on n'utilise pas le couvercle pour apporter des choses. On l'utilise uniquement pour couvrir. De ce fait, le fait uniquement de couvrir, alors, fait que je ne tire pas un profit direct, intrinsèque de l'objet. On a une règle dans les L'Chotouma Vetahara que je ne maîtrise pas à 1000%. Et j'ai pas assez de mefarshim pour pouvoir. Je suis en vacances en ce moment, j'ai pas ici les livres pour plus approfondir. Mais en tout cas, je sais que cette règle elle existe, parce que je l'ai déjà rencontré dans la Gemara, qu'un ustensile lui-même véhicule la Touma. Mais l'ustensile d'un ustensile ne véhicule pas de Touma. Soit, si par exemple, j'ai, je sais pas moi, un plateau qui reçoit lui-même la Touma. Maintenant, donc le plateau, je l'utilise moi pour me servir, je l'apporte à table. Maintenant, imaginez que pour ranger le plateau, il y a une sorte de boîte dans laquelle je range spécifiquement le plateau. Alors, selon certaines règles, l'ustensile qui sert l'ustensile ne reçoit pas lui-même la Touma, sauf si je tire moi-même un profit direct de l'objet. D'accord ? C'est un principe général, et c'est un peu le même principe aussi qui se passe ici. Le chaudron lui-même, j'utilise pour faire cuire mes remèdes, donc lui, il me sert. Le couvercle, il sert uniquement à ce que le... Ouais, il n'y a pas d'utilisation directe. Donc si j'utilise pas le couvercle pour sa contenance, mais uniquement pour protéger ce qui est en train de cuire, c'est pas encore une assez bonne utilisation. De ce fait, ça reste. Imaginez que j'ai une plaque de fer que j'utilise, je la mets sur une fenêtre pour ne pas que le soleil me tape dessus. Vous comprenez bien que c'est pas encore une utilisation directe de l'objet. J'utilise pas ici un objet. Soit oui, soit non. Dans ma Masechet Kelim, c'est à peu près les notions qui sont véhiculées dans plusieurs prakim sous plusieurs formes. Pour en revenir chez nous, en tout cas, le couvercle lui-même. Le simple fait de couvrir n'est pas
considérée, selon Chachamim, comme une utilisation intrinsèque de l'objet en tant que tel, mais plutôt comme un tashmish monéa pour éviter qu'il y ait des problèmes qui se posent sur autre chose. De ce fait, il ne reçoit pas la Touma, il ne véhicule pas la Touma selon Chachamim. Rabban Gamliel lui discute et considère que malgré tout, puisque ça peut arriver que parfois tu veux l'utiliser, tu veux transporter quelque chose, tu veux goûter, ce que tu as fait cuire, c'est déjà bien cuit, tu veux que ça refroidisse un petit peu, tu prends, tu le mets sur le couvercle. De ce fait, c'est quand même un ustensile qui peut être utilisé pour sa contenance. D'accord ? On continue avec le deuxième cas de figure. Ou tlouï à magredot. Tlouï à magredot. Une magreda, c'est une brosse. Et le tlouï, c'est un tlaï en français. C'est une petite chaînette qu'on accroche sur la brosse pour accrocher la brosse quelque part. Ça peut être une brosse, selon le Rambam, la brosse du bain public avec laquelle on se frotte tous avec la même brosse. On se frotte les pieds, on se frotte le dos. Selon le, je sais pas, moi j'ai vu divers extraits, il est rapporté, c'est une brosse plutôt pour les chevaux. Il y aurait une petite nafkamina pour ensuite, on explique ensuite. Donc, on a ici une brosse. La brosse est la même, elle reçoit la touma. Elle a des pics en fer, c'est une utilisation directe, je l'utilise pour me gratter ou pour mon animal, peu importe. Donc, ça reçoit, ça véhicule la touma. La petite chaînette, elle est considérée, alors c'est un peu, ça peut être la question. Est-ce qu'elle est considérée comme une partie intégrante de l'objet ou non? Selon Chachamim, c'est quelque chose de différent de l'objet. Il y a la brosse et à part ça, il y a la petite chaînette qu'on lui accroche dessus. Or, selon la règle qu'on a évoquée, la chaînette, c'est un kli, shel kli. C'est-à-dire, je ne tire pas, moi, de profit direct de la chaînette. Je ne m'en sers pas pour me gratter ou pour en faire quoi que ce soit. Ou pour... Je l'utilise uniquement, ça sert à la brosse elle-même pour l'accrocher. De ce fait, ce n'est pas considéré comme un ustensile qui véhicule la touma. Ce n'est pas un ustensile, ce n'est pas un kli. Il n'a pas le statut d'un kli. C'est un cliché, un cli, donc il n'a pas l'agdara, la définition d'un ustensile. Ça, c'est son nom, Chachamim. Rabban Gamliel pense que malgré tout, la chaînette, alors ça peut être expliqué de deux manières, c'est pas assez mis en valeur, mais en tout cas, ça peut être expliqué simplement parce que ça fait partie intégrante de la brosse, de ce fait, ça fait partie de la brosse, tu commences pas à me dire, il y a ma veste ici, mais on va ce petit fil là, il n'a pas d'utilisation directe pour mon profit. Ça fait partie intégrante, c'est une partie intégrante de la veste, donc ça fait partie de la veste. Et tout véhicule la Touma. D'accord ? Selon le même principe, comme ça, il dira, ça peut être une première manière d'expliquer, le Tlouï à Magredet, donc cette petite chaînette, ça fait partie intégrante de la brosse, c'est tout, on l'a fixée, on la laisse toujours avec, c'est devenu une part de brosse. Le Tiferet Israël, lui, il est parti expliquer ça de manière un peu différente, il a expliqué ça, qu'on parlait d'une brosse de chevaux, et que des fois, je veux gratter mon cheval, j'utilise dans ce cas-là la petite chaînette pour mieux attraper la brosse. De ce fait, la chaînette, c'est en cela que la chaînette fait partie intégrante de la brosse parce qu'elle a la même utilisation que la brosse. Elle est vraiment, elle sert autant que la brosse. Elle est utilisée en tant que brosse, la chaînette. C'est pas juste pour l'accrocher, mais c'est même pour frotter le cheval. Je m'en sers pour mieux tenir la brosse. D'accord ? Troisième discussion, c'est le galmei klei matachot. Klei matachot, c'est les ustensiles en métal, et galmei, ça vient de gelem, chomer gelem, la matière première, ça veut dire, on parle ici en fait d'ustensiles en fer. Lorsque je fabrique l'ustensile, d'abord je le forme, j'ai le récipient, et puis après je le taille, je l'embellis, je le ponce, je le décore, et ce qui se passe, c'est que là on va parler que donc j'ai un ustensile en fer, que j'ai déjà forgé, et après, il lui manque les petites finitions. Est-ce qu'on considère que tu as déjà un ustensile de contenance? Finalement, si tu as besoin pour tout de suite servir à table, c'est pas assez joli pour la porter à table, certes, mais tu as besoin de transporter du robinet, d'amener de l'eau pour remplir une bouteille, peu importe. Tu vas sans problème l'utiliser. De ce fait, selon Rabban Gamliel, c'est considéré déjà comme un ustensile. Les Chachamim vont te dire non, pour le moment, tu n'as pas encore eu de... T'as pas encore décidé, t'as pas encore conclu que ça y est, il est apte à être utilisé, tu lui as mis le dernier petit coup de marteau pour dire, ça y est, le coup d'envoi, il va entrer, maintenant on va commencer à l'utiliser. C'est pas le cas, tu as pas encore fini de le fabriquer, de ce fait c'est pas encore un ustensile. Quatrième ustensile de discussion sur lequel discute Rabban Gamliel Chachamim, c'est Tavla, Shenechleka, Lishneim. Tavla, c'est pas une table, même si c'est le même mot, ça ressemble tout à fait, c'est plutôt une sorte de plateau qui a des petits bords. On parle d'un plateau en argile, et qui a des bords, donc c'est un ustensile de contenance. Là, on a une règle. Kli cheres, c'est un ustensile en argile. Shvirato metaharato. Lorsqu'il se casse, il devient pur.
Lorsque j'ai d'abord, on va plutôt continuer la suite de la Mishnah et puis après on va revenir sur cette petite phrase. Où justement on a Umodim Chachamim El Rabban Gamliel. Chachamim reconnaissent à Rabban Gamliel un cas de figure qui est Tavla Shenechleka Lishnaim. Si c'est un plateau qui s'est coupé en deux, Echad Gadol ve Echad Katan. Un morceau est resté grand, donc il va y avoir un grand morceau, ve Echad Katan, et l'autre un petit morceau. Le Tifel Tisra rapporte qu'on parle qu'il y a deux tiers et un tiers. Donc il y avait, j'avais un plateau en argile, d'accord, où il y avait dessus des bords, et un bout du plateau s'est cassé, il va rester maintenant donc deux tiers du plateau d'un côté et un tiers de l'autre. Hagadol tamé vakatan tao. Le grand sera considéré comme un ustensile impur, tandis que le petit va devenir tao. De quoi il... Alors, déjà ça on commence par l'expliquer, puis après on revient sur la première partie, quand ça s'est coupé en deux parties égales. On a donc dit que Klicheres qui se casse, un ustensile en argile qui se casse, Shvirato metaharato, le fait d'être cassé le rend pur. Certes. Cependant, s'il s'est cassé un tout petit peu, donc pour le moment tu peux encore continuer à l'utiliser. Lorsque j'ai un grand plateau qui se casse, mais juste d'un petit coin, le reste, tu peux encore continuer à l'utiliser. De ce fait, le reste reste encore un kli. Il garde encore son statut d'ustensile qui va donc véhiculer la touma, qui peut devenir impur. Ça, c'est quand il y a un grand morceau et un petit morceau. Et la discussion entre Rabban Gamliel et Chachamim va être dans le cas où il s'est coupé, cassé en deux parties distinctes, deux parties égales. De ce fait, alors quoi ? Chachamim vont te dire non, cette fois-ci, là, il y a plus aucune partie qui est importante, qui est assez importante pour. Ouais. Donc finalement, tu jettes tout. Et Rabban Gamliel vont te dire non. Puisque finalement, il n'y a pas un grand et un petit, il y a deux moyens, tu continues à les utiliser. Ça, c'est une première manière d'expliquer. Il y a ici, ensuite les Mefarchim, ils compliquent un petit peu la scène en expliquant qu'en réalité, une chose de sûre, une fois qu'on a défini grand morceau, petit morceau, alors qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va rester 51% contre 49%? Alors là, selon la règle stricte, il faudrait dire 51%. Là, le morceau de 51%, il reste pur, 49%, c'est le petit morceau, tu le jettes. Alors, maintenant, on continue sur ce principe. Lorsque tu vas te retrouver à 50-50, en théorie, il n'y a plus de majorité nulle part, tout est devenu Tahor, puisque maintenant, il ne reste plus la majorité du Kli. Ça, c'est l'avis de Chachamim. Seulement, Rabban Gamliel vient avec une autre règle, que Ifshar Letzamtzem. On ne peut jamais faire les choses avec exactitude, à donner exactement 50-50. Il y aura toujours un qui aura 50,00,2 et l'autre qui aura 49,9998. Ouais, je ne sais pas combien de calculs, 7, peu importe. En tout cas, on ne pourra jamais avoir exactement moitié-moitié. Il y aura toujours un qui sera un petit peu plus. Et puisque tu ne sais pas lequel est resté la majorité, dans le doute, tu vas définir que les deux, peut-être que chacun, que la majorité est restée dans chacun des deux morceaux, de ce fait, les deux morceaux vont devenir tamés. Telle est la manière d'expliquer selon le Tifa d'Israël, si je ne me trompe pas même, c'est le Tosotium Tov. Et on a fini pour aujourd'hui, donc je vous souhaite une journée pleine de Slachakol, tout cela.